Watching the Supreme Court today, I thought it was it's a very beautiful process. I hope that democracy in this country will continue, because right now we have a very, very tough situation with all of the radical left ideas, with the weaponization of politics. They weaponized it like it's never been weaponized before. It's totally illegal, but they do it anyway. Alors, vous l'avez entendu, Donald Trump qui s'en remet maintenant à la Cour suprême. Effectivement, une décision importante à venir et ça concerne sa candidature. Bon, aux États-Unis, c'est une étape vraiment critique pour la candidature de M. Trump à la présidence parce que depuis ce matin, la plus haute instance judiciaire au pays, la Cour suprême, débat sur le sort de l'ex-président. On sait que Donald Trump essaie de se prévaloir d'une immunité totale en lien avec ses procès. Il a réagi, M. Trump. Je retrouve Guillaume Lavoie qui est avec nous, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bon après-midi, Guillaume. Bon après-midi. Bon, qu'est-ce qui est en jeu actuellement pour le président? Bien évidemment, avec Donald Trump, il faut toujours préciser, mais de quel procès est-ce qu'on parle? Et il y en a plusieurs de front. Ils sont tous à la fois inédits et très, très, très sérieux. Là, cet après-midi, c'était cette grande question qui arrive du Colorado. La Cour suprême du Colorado qui dit, bien, selon l'analyse de la Constitution, Donald Trump n'est pas éligible. On savait qu'il y avait deux conditions pour être éligible à la présidence américaine. Il faut avoir plus de 35 ans, il faut être né américain. Mais quand on dépoussière la Constitution, si vous avez déjà prêté serment pour les États-Unis et que vous avez trahi ce serment-là, par exemple, si vous avez trempé dans des histoires comme le 6 janvier, une tentative d'insurrection, bien donc, vous ne pouvez pas tricher votre serment et rester un officier fédéral. Ici, la Cour suprême des États-Unis a entendu ce qu'on appelle les arguments oraux. Mais à voir les questions des différents juges, on avait plutôt l'impression que la Cour, on ne peut pas trop s'avancer, mais ce que la Cour disait, c'est on ne peut pas laisser un État décider si quelqu'un est éligible à un poste au niveau fédéral. Par exemple, le Colorado dirait que Donald Trump n'est pas éligible, le Wisconsin dirait que oui, la Californie dirait peut-être, on n'en sort pas. Alors là-dessus, les chances réelles que Donald Trump puisse passer ce test-là sont plutôt bonnes, et probablement parce que la Cour suprême ne voudrait pas que ce soit elle qui décide si le plus puissant des républicains soit éligible ou pas. Ce n'est pas au juge de décider quelque chose comme ça. Et on verra pour la suite. Quand la décision pourrait être rendue, Guillaume? Ah bien là, bien difficile à prédire. Est-ce qu'on voudra que ce soit un jugement très technique et puis on renvoie ça au jugement de la Cour ou on veut détailler la chose parce qu'il y a un million de manières de regarder ça? Est-ce qu'on veut faire ça sur un enjeu de droit de l'État versus droit fédéral, sur la Constitution? Moi, je vous dirais que ceux qui souhaitent que Trump finisse par tomber sur des affaires judiciaires, c'est pas le dossier dans lequel mettre toutes vos billes. C'est plutôt l'autre dossier où là, Trump essaie de porter la chose en appel en disant est-ce qu'un président américain ou un ancien président américain peut dire « moi, j'ai l'immunité totale ». Et à date, et là, on n'est pas ici au Colorado, mais on est à Washington, D.C., il y a des panels. Il y a un panel de trois juges, des juges plutôt à gauche, des juges plutôt conservateurs, qui disent « il n'y en est absolument pas question ». C'est pas vrai qu'un ancien président, c'est un citoyen qui est au-dessus du système. Et là, Donald Trump, lui, dans tous les cas de figure, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. Alors, il va sûrement aller en appel. Il n'est pas impossible que ça aille en Cour suprême. Là, les chances de Trump là-dessus sont pas mal moins bonnes. Puis à la fin, une fois qu'on a réglé toutes ces questions-là, on revient au procès de départ. Est-ce que l'accusation criminelle contre Donald Trump pour avoir tripatouillé dans une tentative d'insurrection, est-ce qu'il peut être reconnu coupable de ça au criminel? Parce que si Trump est reconnu coupable au criminel, il y a beaucoup de républicains, pas de majorité, mais il y a beaucoup de républicains qui vont dire « moi, je ne vote pas pour quelqu'un qui a été reconnu coupable au criminel ». Et c'est là tout l'enjeu et c'est pour ça qu'il veut l'immunité. Guillaume, en terminant, Tucker Carlson, c'est ce soir que l'entrevue avec Vladimir Poutine sera diffusée. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme entrevue? Une entrevue complaisante ou pas? Bien, je vous dirais que j'exagère un peu, mais peut-être des questions extraordinairement dures peuvent être « Président Poutine, pourquoi est-ce que les gens ne reconnaissent pas à quel point vous êtes extraordinaire? » Monsieur Poutine, il refuse beaucoup d'entrevues de paquets de journalistes. Ben oui. S'il a dit oui à Tucker Carlson, c'est parce que c'est comme s'il allait interviewer son porte-parole.
Alors, je m'attends pas à des entrevues très dures ou serrées, là. Guillaume Lavoie qui est avec nous. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir. Au plaisir.